Avec mon gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Amen. Gloire à Dieu parce que nous avons déjà prié pour la parole et nous croyons que le Seigneur a entendu et que le Seigneur va nous parler encore une fois cet après-midi. Amen. Amen. Nous parlons d'un thème très important qui est le retour à ton Père. Amen. Amen. Soit retourne à ton Père. C'est une histoire qui se trouve dans le livre de Luc, chapitre 15, du verset 11 au verset 32. Mais nous prenons la première partie de ce texte jusqu'au verset 24. La fois passée, nous avons dit. Et dans le livre de Luc, bien aimé, la Bible nous parle de la compassion de Dieu, de la compassion du Christ pour des hommes humbles, pour des rejetés, pour des hommes exclus de la société. La compassion du Christ à l'égard des pauvres. À l'égard des malades. Et dans ce livre de Luc, on nous présente la compassion de Dieu, c'est-à-dire l'amour universel de Dieu. Et dans ce même livre de Luc, on nous présente le Seigneur Jésus comme le Fils de l'homme. C'est-à-dire comme un homme qui connaît la souffrance des hommes. Et dans ce même évangile, on nous parle des choses perdues et retrouvées, de brebis perdues et retrouvées. Et nous avons cette histoire, c'est le fils prodigue. Un fils qui était perdu et retrouvé. Nous avions parlé d'un point aussi intéressant sur l'obstination que nous avions défini comme le fait de s'attacher à une idée ou à un sentiment sans se relâcher. Nous avions parlé aussi le deuxième point que nous avions touché, qui nous parle de la séparation et de l'égoïsme. Nous avions un peu parlé sur l'égoïsme et nous avions touché sur la séparation. Dans ce texte de Luc chapitre 15, nous avions tort de leçons attirées que nous avions dit que nous allons acheminer lentement jusqu'à ce qu'on va en finir. La séparation, c'est l'éloignement. Ça, c'est notre deuxième point.
La séparation, c'est l'éloignement. C'est l'égarement. Nous avions dit que lorsqu'on s'éloigne de Dieu, on devient ouvert. On ouvre sa vie à des mauvais esprits. Lorsqu'on s'éloigne de Dieu, on ouvre la porte de sa vie à de nombreux problèmes. Lorsqu'on s'éloigne de Dieu, on se sépare de Dieu. On donne l'accès à l'ennemi de Dieu de s'approcher de nous. Voilà pourquoi notre objectif dans notre message est que le peuple de Dieu puisse se préoccuper de sa bonne marche. Alléluia. Amen. Dieu veut que son peuple se préoccupe de sa marche, de sa vie dans le Seigneur. Nous avons tous reçu le Seigneur Jésus-Christ comme le Seigneur et Sauveur. Aujourd'hui, nous sommes appelés enfants de Dieu. Mais chaque maison a sa marche. Chaque famille a ses problèmes et a aussi ses principes. Dans la famille de Dieu, il y a des principes qui sont écrits dans la Bible. Dans l'ancien temps, Dieu nous en parlait à travers les prophètes. Mais aujourd'hui, dans les derniers jours, Dieu nous parle à travers son Fils Jésus-Christ, qui est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Alléluia. Amen. Jésus, lui, qui est la parole de Dieu, la parole vivante. Et le Seigneur nous parle au travers sa parole écrite dans la Bible et à travers ce serviteur que nous sommes, les instruments de Dieu pour propager l'évangile. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous parlons de la séparation. Si nous lisons dans notre verset principal, Luc 15. Aujourd'hui, nous touchons les versets 13 et peut-être 14. La Bible dit ceci. Peu de jours après, le plus jeune fils rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain où il dissipa sa fortune en vivant dans la débauche. Alléluia. Amen. Des jours après, le plus jeune fils rassembla tout ce qu'il avait reçu, rassembla tous ses biens, et il partit dans un pays lointain, dans un pays étranger, avec sa fortune. Là où il est allé, la Bible dit qu'il dissipa, c'est-à-dire il a dépensé en abondance. Il a dépensé sans calcul. Il a dépensé sans réflexion. Il a fait le sentiment de son cœur. Il a répondu à la demande de son cœur. Lorsque son cœur disait « Fais ceci », il a fait. « Achète ceci », il acheta. Mange ceci, il mangea. Prends cette femme, il prenait. Prends cette fille, il prenait. Prends ce garçon, il prenait. Ce garçon a fait la vie qu'il a voulu faire. La vie qu'il a aimée. Il a dépensé sa fortune. Il a vécu dans l'impureté. Bien aimé dans le Seigneur, nous voyons que ce fils s'est décidé de s'éloigner plutôt de son père. Pourquoi il s'est éloigné? Parce qu'il a reçu la richesse. Il a reçu sa part de l'héritage. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui
ont reçu leur part de l'héritage. Tant spirituel, tant matériel, tant intellectuel, beaucoup ont reçu leur bénédiction. Mais les anges de certaines personnes ne sont pas dignes. Alléluia. Amen. Dieu a donné à chacun de nous les capacités pour vivre heureux. Dieu nous a donné des capacités pour mieux vivre spirituellement. Alléluia. Amen. Je disais que beaucoup d'entre nous avons reçu de la part de Dieu des diverses bénédictions. Mais l'usage de certaines personnes ne pas dit. Ces deux fils représentent le chrétien. Le nez a pris son héritage, mais il est resté tout près de son père, dans la maison de son père. Le jeune fils a pris aussi son héritage au même moment, mais il est parti dans un pays étranger. Il s'est séparé de son père. Il a quitté la maison de son père. Et de la même façon aujourd'hui, tant de chrétiens, des enfants de Dieu, ont reçu leur part à Dieu qui est leur père. Certains ont reçu leur bénédiction et sont déterminés à rester dans la maison de Dieu. Ils sont déterminés à rester auprès de leur Père. Ils sont déterminés à vivre selon les Écritures. Bien que nous sommes dans un monde pervers, bien que nous sommes dans un monde où l'ennemi règne, bien que nous sommes dans un monde où le péché domine, mais il y a certains enfants de Dieu qui ont décidé de rester dans la volonté du Seigneur. Beaucoup aussi de l'aimer, par leur ignorance, se comportent comme ces jeunes fils. D'autres se disent qu'ils sont chrétiens, mais ils n'ont rien à voir avec des églises locales. D'autres se disent chrétiens, ils sont dans l'église, mais ils ne sont pas dans la volonté de Dieu. Amen. Amen. Dans Matthieu chapitre 15, dans Matthieu chapitre 15, la Bible dit, 15, le verset 8, là Jésus parle aux pharisiens. Ce peuple m'honore de lèvres, mais son cœur est très éloigné de moi. Alléluia. Amen. Ce peuple m'honore de lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est par là que nous disons certains chrétiens, certains enfants de Dieu sont dans l'église locale, mais qui n'ont pas rapport à l'église universelle qui est le corps du Christ. Parce qu'ils honorent Dieu de leur œuvre. Mais leur cœur est éloigné de Dieu. Nous voyons dans le monde d'aujourd'hui, dans des églises, il y a le mariage des homosexuels qui sont bénis. Il y a des homosexuels avec leur vie, mais qui fréquentent des églises locaux. Il y a beaucoup de femmes célibataires comme mariées qui se comportent comme des lesbiennes, mais qui assistent dans des églises.
Ce sont des réalités que nous voyons aujourd'hui. Vous voyez une femme que vous connaissez, elle est mariée à un homme, mais quelque part, elle est lesbienne. Vous voyez un homme marié avec une femme, mais quelque part, c'est un homosexuel. C'est-à-dire, nous avons des gens qui se disent chrétiens, qui sont dans l'église du Seigneur, dans des églises locaux, mais qui sont éloignés de la face de Dieu. Et la Bible dit, de tels gens honorent Dieu par des lèvres, mais leurs cœurs sont éloignés. Alléluia. Amen. Et notre message a pour but de faire retourner ce genre de personnes à leur Père qui est l'Éternel et Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu. Lorsque nous venons dans l'église, nous devons nous préoccuper de notre marche. Nous devons chercher de l'aimer dans le Seigneur à vivre à la conformité de l'évangile de l'aimer dans le Seigneur. Cet après-midi, cette parole est destinée à l'église Mérade. Cette parole est destinée à l'église de France. Cette parole est destinée à l'église de l'Europe. Cette parole est destinée à l'église de l'Afrique. Cette parole est destinée à toutes les églises qui invoquent le Seigneur Jésus comme leur Seigneur et comme leur Sauveur. Retour à la pensée de votre Père. Dieu a besoin que ceux qui l'honorent, ceux qui louent, ne la louent pas seulement sur les lèvres, mais aussi du fond des cœurs. Ce jeune fils est séparé de Dieu. Alléluia. Amen. Il est séparé de son père. Mais là où il est allé faire ce que moi j'appelle du n'importe quoi. Alléluia. Amen. Bien-aimés, l'église de Dieu, nous devons retourner à la pensée de Dieu. La Bible dit, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen. Et ceux qui ne sont pas conduits par l'Esprit de Dieu, prenons le contraire de cela. Quand on est fils de Dieu, on cherche à plaire à Dieu. On cherche à connaître la parole de Dieu. On cherche à vivre la volonté de Dieu. Amen. Et non sa propre volonté. Amen. Oui, je sais que nous sommes dans un monde où le péché domine. D'où l'apôtre Paul a dit quelque part que nous trébuchons d'une manière ou d'une autre, nous tous. Mais comme nous disons aussi que la vie, c'est comme un voyage. Lorsque nous marchons dans notre voyage, même si je tombe, il me faut m'élever et prendre ma route. Amen. Mais aujourd'hui, il y a certains chrétiens que lorsqu'ils tombent, ils demeurent là où ils sont tombés. 1 Corinthiens chapitre 6. Je lis le verset 9 jusqu'à 12. La Bible dit ceci. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume des dieux? Ne vous y trompez pas.
ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les dépravés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les insultaires, ni les accapareurs n'hériteront le royaume des dieux. Alléluia. Amen. L'apôtre Paul parle de l'héritage des dieux qui est le royaume des dieux. C'est-à-dire le règne des dieux. La présence de Dieu. La gloire des dieux. Certains chrétiens vivent dans la séparation avec Dieu par rapport à leur comportement. La Bible, la parole de Dieu est claire. Vivre dans l'injustice, c'est s'éloigner du royaume de Dieu. S'éloigner de la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Que personne ne vous y trompe, bien-aimé. Quand on est chrétien, il faut s'abstenir de certaines choses. Et tant qu'homme, je sais que c'est difficile. Parce que la chair est faible devant le péché. Mais lorsque le Saint-Esprit vient en toi, il va te fortifier pour que tu puisses vivre dans la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Ne vous y trompez pas. Les débauchés, les impudiques n'ont pas part au royaume de Dieu. Alléluia. Les idolâtres n'ont pas aussi part dans le royaume de Dieu. Il y a des gens qui vivent dans l'idolâtrie sans le savoir. Certaines personnes ont comme idole leur corps. Certaines personnes ont comme idole l'argent. Ils préfèrent l'argent par rapport à Dieu. Ils préfèrent l'argent par rapport à l'église. Ils peuvent faire tout ce qu'il faut pour prendre de l'argent. Mais pour venir à l'église afin de servir Dieu, rien. Certaines personnes prennent bien soin de leur corps physique, de leur vie sociale, mais pas de leur vie spirituelle. Ils mettent leur vie avant Dieu. C'est de l'idolâtrie. Ils se disent que non, moi j'adore ma vie. Ils aiment tout faire pour apparaître aux gens. Mais ils ne se soucient pas de leurs âmes. Ils sont éloignés de Dieu par leur comportement, par leur façon de voir les choses. Alléluia. Amen. La Bible dit, ni les adultères n'ont pas part au royaume de Dieu. Dieu nous parle afin que nous puissions nous préoccuper de notre vie. Cet après-midi, Dieu veut que chacun de nous puisse prendre soin de sa propre vie. Alléluia. Amen. Dieu veut la séparation d'avec le mal. Et non la séparation avec lui.
Hallelujah. Amen. Cet enfant bien-aimé s'est séparé de Dieu. Mais qu'est-ce qui l'a amené à être séparé? C'était ses sentiments. C'était ses ambitions. C'était ses plaisirs. C'était ses désirs. Parmi ses désirs temporels, parmi ses sentiments, nous voyons cette liste que l'apôtre Paul a énumérée. Voilà pourquoi Dieu veut que cet après-midi, nous puissions parler de ces choses. Ni les dépravés, ni les homosexuels. Bien-aimés dans le Seigneur, même si l'État d'aujourd'hui, les gouvernements d'aujourd'hui tolèrent l'homosexualité, mais l'Éternel qui a créé l'homme et la femme n'a jamais toléré l'homosexualité. Mais cessez de vivre cette vie, car vous n'avez pas peur à la présence de Dieu. Et vous n'en aurez jamais. Cher bien-aimé, qui fréquentait l'église du Seigneur, sortez de ces milliers. Répandez-vous. Cherchez à vivre la volonté de Dieu. Dieu a créé la femme afin qu'il vive avec l'homme et non avec une autre femme. Aujourd'hui, l'église tolère de telles bêtises dans l'église. Et tout est clair. Dieu ne prend pas plaisir à de telles personnes. Et si vous avez un frère ou un ami, une amie, une sœur, qui est encore dans ces phénomènes, ayez du courage, priez Dieu, demande à Dieu de te donner la grâce, la puissance, et va, prêche la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Même les voleurs n'ont pas peur au royaume de Dieu. Les cupides aussi, les ivrognes, les gens qui cherchent à amasser, et ne laissent pas le temps aux autres. Même s'ils en ont, ils ne cherchent pas à partager avec les autres la cupidité. Des gens qui n'ont pas la libéralité, les cupides. Vous n'avez pas peur à la présence de Dieu. Si vous êtes enfant de Dieu dans une église locale, vous devez vous repentir de ce comportement. Les ivrognes, batonami langua, les gens qui boivent jusqu'à s'enivrer, ils n'ont pas peur au royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Ni les insultèrent aussi. La Bible a dit qu'ils n'hériteront pas le royaume de Dieu. Alors le verset 11. Et c'est là ce que vous étiez quelques-uns d'entre vous. Alléluia. Amen. La Bible a dit. Et c'est là que vous étiez quelqu'un d'entre vous. La Bible reconnaît que parmi les enfants de Dieu, il y a des gens qui avaient cette vie. C'était des vies du passé. Et lorsque c'est des vies du passé, vous ne pouvez pas retourner. Alléluia. Vous devez voir de l'avant et aller de l'avant vers la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est vivre la sanctification. La volonté de Dieu, c'est s'attacher à lui. Alléluia. Amen.
Mais ben, tu peux être chrétien. Tu peux être serviteur de Dieu. Tu peux prêcher l'évangile de Dieu. Mais si vous avez encore cette vie, vous êtes loin de Dieu.